À la une ce soir, la symbolique du carême, le premier week-end de cette période de diète pour les catholiques. Nous avons interrogé fidèles et prêtres sur leur vision du carême, faite de sacrifices et de solidarité, vous le verrez. Une journée de fête pour les grands-mères ce dimanche, rencontre avec des familles dans les EHPAD, dans les restaurants aussi. Beaucoup ont profité de cette occasion pour honorer leurs aînés. Le bien-être, notre sélection d'activités détente dénichée au Salon du bien-être qui s'est tenu ce week-end au programme Tassichuan et conseil alimentaire pour prendre soin de vous. Et puis, un char antillais dans les rues de Bordeaux aujourd'hui pour la parade de la ville emmenée par l'association My Cartel. Vous découvrirez de plus belles images et ambiances en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment sur notre page Facebook en direct. On commence avec cette bonne nouvelle. Patrice Racine a été retrouvé cet après-midi. Il était porté disparu depuis le 2 mars dernier. Il a été retrouvé par ses voisins à proximité de son domicile en état de déshydratation. Patrick Racine qui a été transféré à l'hôpital Pierre Dobdakiman. Nous reviendrons évidemment sur cette information dans nos prochaines éditions. L'actualité sociale avec cette nouvelle opération Molokoï ce matin, ce sont les conducteurs de taxis qui ont perturbé la circulation entre Dillon et Fort-de-France. Ils réclament l'autorisation de rouler sur les voies réservées au futur TCSP. Des images signées Loïc Régis. Et puis demain, il risque d'y avoir des perturbations également dans les services municipaux du Lamentin. Le syndicat CGTM a posé un préavis de grève illimité à compter de lundi. Les écoles et les crèches pourraient être touchées. Nous reviendrons évidemment sur ces informations à partir de demain. Et puis, autre perturbation également à Pôle emploi, un appel national à la grève pour demain, relayé en Martinique par plusieurs syndicats. Là aussi, des perturbations sont attendues. Enfin, ce nouveau fait divers, un homme a été tué ce matin. Il a donc été transféré à l'hôpital Pierre Zobdakitman ce midi après être poignardé aux environs de 4 heures du matin sur le quartier de Givre à Fort-de-France. Pas plus d'informations ce soir sur ce nouveau fait divers. Le carême, premier week-end aujourd'hui pour cette période où les catholiques vivent quelques sacrifices en souvenir de la traversée du désert par Jésus, une tradition très suivie chez nous. Quelques fidèles ont accepté de nous parler de la symbolique du carême. Voyez le reportage de Loïc Régis. Une fois la messe terminée, direction le cinéma pour Florence et sa famille. Catholique pratiquante, pour elle, le carême a commencé dès le mercredi des cendres. Je suis allée vendredi à la messe des cendres, hein, et donc j'ai reçu les cendres, et puis aujourd'hui je suis allée à la messe dominicale, hein, la messe du dimanche, comme tous les dimanches, voilà. Et aujourd'hui à nouveau, j'étais à Emmaüs, moi, pour la paroisse de Sainte-Thérèse, et aujourd'hui il y a eu encore l'imposition des cendres pour les fidèles. Plus qu'un symbole, c'est un véritable mode de vie. Comme le veut la coutume, Florence s'impose une pratique plus rigoureuse de sa religion durant ses 40 jours. Pour moi, c'est me tourner beaucoup plus vers Dieu, c'est-à-dire entrer dans une période de prière, de jeûne, parce que j'ai décidé cette année de jeûner le mercredi, mais aussi le vendredi, prier, aller en adoration. Moi, c'est comme ça que ça se traduit pour moi. Corinne est venue à la messe ce matin avec ses enfants et ses nièces, une façon aussi de leur apprendre la signification du carême. Pour cette mère de famille, c'est avant tout une affaire de privation, une notion pas toujours facile à comprendre pour les plus petits. Ça, ils aiment bien le soda, hein. Bon soda, venir à la messe, aller au catéchisme, un peu de tout quoi. On ne mange pas de viande comme on le fait d'habitude, mais on essaie un peu de diminuer la viande, c'est plus le poisson. Mais en peu de mots, c'est assez facile parce que les enfants ils aiment bien le poisson, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Le chrétien est appelé à s'élever spirituellement, dans un premier temps pour son propre bien, mais surtout pour être meilleur envers les autres. Prier un peu plus que d'habitude, que d'ordinaire. Et faire de la pénitence, c'est-à-dire que souffrir dans sa chair ce qui manque un peu, ce qui manque aux souffrances du Christ. Donc se priver, faire des jeûnes, et puis tout cela doit déboucher sur la charité, donc sur l'aumône à faire au prochain. Donc on se prive,
on prie un peu plus pour pouvoir s'ouvrir davantage au prochain. La Semaine Sainte conclut ses 40 jours de privation. Cette année, il s'achève le dimanche 16 avril. Voilà pour ce reportage de Loïc Régis. La politique, entre 45 et 50 000 personnes réunies ce matin au Trocadéro à Paris pour soutenir François Fillon, candidat du Parti Les Républicains, englué dans les affaires depuis les révélations d'emploi fictif présumé de sa femme en tant qu'assistante parlementaire. L'occasion pour nous de se pencher sur une autre pratique des politiques de nos députés et de nos sénateurs, l'utilisation de la réserve parlementaire. Bonsoir Marie Tricot. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que la réserve parlementaire ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, il s'agit d'une enveloppe de subventions annuelle donnée par l'État aux députés et sénateurs français. Cet argent est destiné aux associations et collectivités locales que les élus souhaitent soutenir selon leur libre appréciation. En fait, l'idée, c'est d'aider à la création de projets associatifs. Le montant de cette enveloppe est de 130 000 euros par député, un montant qui est recalculé en fait tous les ans lors du vote de la loi de finances à l'Assemblée nationale. Donc sachez qu'en 2016, l'enveloppe globale de cette réserve parlementaire s'est élevée à 81,86 millions d'euros. Alors, vous vous êtes penché sur l'utilisation de cette réserve par nos parlementaires martiniquais. Tout à fait. Donc, concernant nos quatre députés martiniquais, pour la circonscription du Nord, Bruno Nestor Azero a donné, alors, entre autres, les plus fortes sommes aux communes de Saint-Joseph et du Carbet, soit 15 000 euros à chacune de ces communes, pour la création d'une épicerie Joséphine, ainsi que pour la construction d'une nouvelle école maternelle au Carbet. Jean-Philippe Nilor, quant à lui, a donné la plus forte somme au groupe d'action culturelle Eugène Lacaille, qui en fait exploite la radio RLDM à Rivière-Pilote, pour un montant de 15 000 euros. Mais ce sont surtout près de 60 000 euros qu'il a distribués à diverses associations sportives. Alfred Marie-Jeanne a quant à lui versé 20 000 euros à l'association Latré, qui aide les toxicomanes martiniquais à s'en sortir, et également près de 60 000 euros pour diverses associations sportives. Sachons aussi que ces trois députés qui sont réunis sous la bannière gauche démocrate et républicaine ont tous donné à l'AFCA. Donc l'AFCA, c'est l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005. Enfin, le chiffre qui ressort le plus pour le député Serge Letchimy, ce sont les 70 000 euros alloués à la ville de Fort-de-France pour la rénovation et l'éclairage public. Quant au reste de son enveloppe, elle est équitablement répartie entre différentes associations culturelles, sportives ou œuvrant pour la jeunesse. Une précision très importante, c'est que le détail de la répartition de cette réserve parlementaire est consultable publiquement sur le site de l'Assemblée nationale. Tout à fait, rendu public depuis quelques années pour plus de transparence. Alors on comprend dans cette analyse que cette répartition, l'utilisation de cette réserve est peut-être un peu arbitraire. Est-ce qu'il ne conviendrait pas de réglementer un peu plus ? Alors effectivement, en fait, c'est l'actuel président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui a lui-même appelé de ses voeux à plus de transparence et d'équité quant à cette fameuse réserve parlementaire, et notamment la répartition de cette réserve. Et cette répartition a été rendue publique pour la première fois en 2014, justement pour faire taire un peu des années de polémique et notamment faire taire les soupçons de clientélisme de nos élus, puisque, comme je vous le rappelle, ils peuvent utiliser cette enveloppe comme bon leur semble. Et l'un des reproches qui est très souvent adressé à cette cagnotte, c'est qu'en fait, chaque association, collectivité peut bénéficier de ces aides une seule fois. Des contrôles sont censés être faits donc pour vérifier qu'effectivement ces collectivités ou ces associations ne touchent qu'une seule fois cet argent. Sauf qu'en fait, la Cour des comptes a récemment révélé dans une étude que près de la moitié des financements étudiés en fait, n'auraient pas dû être validés. Donc finalement, aujourd'hui, le fait que cette enveloppe soit rendue publique et puisse être consultée par n'importe quel citoyen est peut-être encore la meilleure manière de vérifier ce qu'il est fait de cet argent public. Merci Marie. Les condoléances du président de la CTM suite au décès de René Préval, ancien président d'Haïti, disparu vendredi après-midi. Alfred Marie-Jeanne qui, dans un communiqué, salue un homme d'humilité et de passion. Réaction également de la communauté haïtienne de Martinique. Nous avons rencontré quelques ressortissants ce matin, rencontrés par Loïc Régis. C'est un chef d'État, c'est un chef d'État haïtien. Et moi, je suis une haïtienne. Ça fait la peine comme tous les chefs d'État. Ce n'est pas ton mauvais président. C'est ton président qui était là avec nous, très gentil, très cool.
tu as aidé, c'est les alentours, tu as baillé certains des noms, mais c'est très, très gentil. Il a dit que nager pour sortir, c'est un proverbe d'Haïti, que chaque monde a fait de moyens pour vivre à sa façon. Venons-en à la fête du jour, la fête des grands-mères. Rendez-vous commercial ou simple occasion de montrer notre attachement à nos aînés. Alvin Courcy a pu rencontrer quelques familles au restaurant ou dans des EHPAD. Certaines mamies ont été gâtées. Regardez. Merci. Alors que certains sont venus acheter un bouquet pour leur grand-mère, d'autres considèrent cette fête comme commerciale. On a déjà la fête des mères, la fête des parents. Non, la fête des grand-mères, c'est pas trop mon truc. Je suis pas trop pour ce système-là, mais ça n'empêche qu'avant ou après, on peut se faire des marques d'affection sans attendre la date fatidique. Je fais une surprise à la mienne. J'étais venu à la messe, mais j'avais rendez-vous avec la fête des grand-mères. J'allais dire bonne fête mamie et c'est pour toi les fleurs. Alors, ça a été aujourd'hui, tu t'es bien réveillée. Oui. Tu as mis ta belle robe du dimanche. Laisse-moi t'embrasser. Hein. Dans cette EHPAD, Georges, âgé de 100 ans, n'a jamais eu d'enfant. Pour ce jour un peu particulier, ce sont son neveu et sa nièce qui viennent lui rendre visite. On va lui dire, faire un petit coucou, l'embrasser, lui apporter une petite gâterie. C'est un jour qui lui fait toujours plaisir, c'est un moment qui lui fait toujours plaisir lorsque nous sommes présents avec elle. Et comme aujourd'hui, c'est la fête des mamies, on s'est dit que toutes les pensionnaires doivent être entourées de leur famille, donc on tient à lui faire une petite visite. Une touche d'affection importante dans le quotidien des résidents. Du moment où la famille vient, c'est sûr que ça, c'est une répercussion sur les résidents. On le voit avec le langage corporel qui est différent, puisqu'on voit les sourires, les mimiques. Donc effectivement, c'est un jour qui est important pour nos résidents. Dans ce restaurant, Mamou est entourée de ses deux filles et de ses sept petits-enfants, ravis d'être là. Nous aimons notre grand-mère de tout notre cœur. On l'aime beaucoup, on veut faire quelque chose pour elle. C'est la fête des grands-mères et j'aime bien passer du temps avec ma maman. Un bonheur partagé par Mamou. C'est tous les jours la fête et tous les jours, ils sont très gentils. J'ai eu la chance d'avoir des enfants merveilleux, des petits-enfants merveilleux. Alors bon, d'accord, il faut fêter, hein, c'est le jour, mais pour moi c'est tous les jours. Pour celles et ceux qui n'y auraient pas pensé, vous avez jusqu'à minuit pour souhaiter une bonne fête à votre grand-mère. Voilà pour ce reportage. Restez avec nous à suivre dans votre journal les 10 ans du parc amazonien de Guyane. Pour cet anniversaire, une exposition photo lui est consacrée. Et puis le sport avec le tournoi Paul Chilon en football. Victoire finale de la Martinique hier soir face à la Guyane. Mais d'abord, parlons bien-être, tai chi, produits cosmétiques ou activités sportives, petite revue, des astuces détente proposées au Salon du bien-être qui a fermé ses portes aujourd'hui. Plus de 70 exposants étaient présents. Le reportage d'Anaïs Gall. Lâcher prise quelques instants et se concentrer sur son corps. Dos, je relâche, je laisse tomber les bras, je lâche mes épaules d'abord, épaules lâchées. Avec cette initiation au Tai Chi Chuan, les élèves apprennent la relaxation en mouvement. Montez les bras, main gauche devant, main droite derrière. Eric est un adepte de la pratique, une discipline vers laquelle il s'est tourné lors d'une période particulièrement stressante. C'était un problème de stress, donc d'émotion, trop d'énergie. Et il fallait canaliser ça. Et comme j'étais étudiant, je suivais une formation de 3 années, et puis c'était trop dur pour moi finalement, et puis il fallait décompresser. Comme lui, les Français sont de plus en plus nombreux à se préoccuper de leur bien-être. Pour Michel Assouvi, cela passe aujourd'hui par des méthodes plus saines. Le tai chi par exemple permettrait de soigner les maux du quotidien de manière naturelle. Les arts énergétiques sont liés par rapport aux émotions. Donc les émotions, la peur du lendemain, la colère, la tristesse, le regret, donc tout ça... On n'a pas besoin de médicaments pratiquement pour se sentir en bonne santé. Je ne dis pas d'arrêter les médicaments, je dis de pratiquer plus de tai chi et d'arriver à faire une gestion du stress, la gestion des émotions. Donc on a des émotions, c'est normal, mais à savoir que les émotions vont affecter les organes. Donc le but du tai chi, c'est d'arriver à réguler tout cela.
Le bien-être, cela passe aussi par les cosmétiques. Jeannine a choisi de tester ce baume régénérateur. Vous voyez, c'est pas huileux. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression que ma peau a bien absorbé le produit. Ça fait partie du bien-être de la femme, mais au contraire, je pense que c'est quelque chose que chaque femme devrait faire au moins une fois par jour. Alimentation, produits de beauté ou encore médecines alternatives, sur les étals, pas ou peu de composants chimiques, les exposants assurent favoriser le bio et le naturel. On a envie de vieillir en bonne santé et on a cette possibilité avec le naturel et je pense que c'est vrai que parfois la médecine, c'est peut-être pas tout à fait, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'écoute et le chimique, c'est pas forcément bon pour notre corps. Alors qu'avec le naturel, on fait vraiment des miracles, on a ces témoignages-là tous les jours autour de nous. Dans cette aile du bâtiment, on focalise davantage sur l'enveloppe corporelle. Ici, l'objectif est surtout de se sentir belle, le bien-être ne se joue pas qu'à l'intérieur. Ce salon est parti d'un besoin que nous avions eu d'offrir à tout public un week-end forme. Mais on s'est dit, forme oui, mais on a envie de parler de bien-être également. Et qui dit forme associe, qui dit le bien-être, ça associe plusieurs choses, plusieurs paramètres. Pour être dans du bien-être, il faut soigner son image de soi, il faut être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Avec ça, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Près de 5000 visiteurs se sont déplacés pour la 4e édition du salon cette année. Preuve que le marché du bien-être a de l'avenir en Martinique. Notez ce rendez-vous, votre émission Destin d'Outre-mer, juste après ce journal ce soir, le portrait de Coralie Balmy, nageuse triple fois sélectionnée aux Jeux Olympiques. Elle a fait part de sa passion à Alexandra et lisez tout de suite un extrait. Ce dont je me rappelle le mieux, c'est les entraînements vraiment très longs. Si j'ai un exemple, ouais, c'est vraiment ça, une séance de 15 bornes, un jour dans un bassin de 25 mètres. Donc on a mis, 3 heures à la faire, avoir mal dans tous les muscles, dans tout le corps, les poumons qui brûlent et tout ça, il y a des souvenirs comme ça. Ça vous fait quoi de voir qu'en Martinique, une piscine porte votre nom pour rendre hommage à cette carrière incroyable? Ça m'a vraiment beaucoup touchée, même si ma maman me tenait au courant, regarde France Antilles, on a parlé de toi et tout ça. Ça me touche, ça me fait vraiment très très plaisir et de toute façon, chaque année, je reviens et je vais dans ma piscine. Voir mon coach et puis discuter et rencontrer des gens, donc c'est cool. Voilà pour cette émission, je vous rappelle que vous pouvez retrouver après ce journal. Je vous le disais en titre, le parc amazonien de Guyane fête ses 10 ans à l'occasion. Une exposition photo lui est consacrée, des plus beaux sites donc du parc sont visibles au siège de l'institution. C'était un reportage de nos confrères d'ATV Guyane, regardez. 10 ans d'histoire pour le parc amazonien de Guyane. Fondée en 2007, la structure en est aujourd'hui à une année charnière. Si le concept de parc n'est avant tout que de préserver, le parc amazonien de Guyane, lui, a dès sa création voulu mettre l'accent sur une stratégie de développement à l'intérieur de cette zone. Mais pour en arriver là, le combat ne fut pas de tout repos. La difficulté qu'on a rencontrée au départ, c'est de faire valoir que les populations avaient été là depuis très longtemps et avaient un mode de fonctionnement organisé et que c'était difficile de ne pas leur permettre un développement. On voulait vraiment que ce volet développement endogène, développement local, soit pris en considération parce qu'il y avait beaucoup de populations, une population en attente de développement sur des zones isolées. Et quand on a présenté cette démarche de l'inscrire avant dans la charte, il nous a été rétorqué que c'était compliqué parce que normalement, la vocation d'un parc national, c'était de préserver d'abord et le développement, le mettre en second. Mais on a réussi à convaincre. Avec 3,4 millions d'hectares, le parc amazonien a conduit près de 350 projets en 10 ans. Mais reste un problème majeur. La lutte contre l'empaillage illégal qui demande énormément de moyens. Au niveau du parc, on engage beaucoup de fonds puisque c'est vraiment dans nos priorités maintenant. On a engagé sur les 10 dernières années 2,7 millions d'euros, ce qui est considérable pour lutter contre l'empaillage. En termes, pour les populations, ça se voit tout de suite, il y a vraiment beaucoup de turbidité. Il y a le mercure qui est une bombe à retardement. Et puis il y a aussi beaucoup de violence qui est générée par cet or, la prostitution, etc. Une décennie qui laisse des traces que les visiteurs ont pu trouver sur les différents stands sur place. Et puis
aussi. Et puis on vous l'avait promis, les images du carnaval de Bordeaux, c'était aujourd'hui dans cette ville très connue par les étudiants ultramarins, un char antillais a défilé dans les rues pour le vider. Reportage sur place de Jordan Dubreuil. Non, franchement, vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser tranquille pendant le carnaval ? C'est mal me connaître. Alors que vous, vous avez terminé mercredi et que vous avez entamé le carême, et ben nous, depuis jeudi, au carnaval de Bordeaux, on s'amuse et on a pris les plus belles réactions. ATV parmi nous. Bon alors, comment il est le carnaval de Bordeaux? C'est chaud, les Antillais sont chauds, tout est chaud, tout est toujours chaud. On a chaud tout le temps. C'est bien, avec les températures, ça nous réchauffe. Non, il n'y a pas de température chez nous. Chez nous, la température, c'est 38 degrés, tout le temps. Même quand il fait moins dur, on a chaud. Ça va, tu t'amuses bien? Oui, ah oui, franchement, c'est super. Tu sais que c'est pour la Martinique, ta maman va te voir? Oui, il n'y a pas de souci, big up la Martinique. Dis donc, depuis mercredi, c'est pas censé être le carême? Il y en a qui le pratiquent, il y en a qui le suivent et il y en a qui le suivent pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance antillaise pendant le carnaval? Parfaite, excellente. Faut continuer comme ça, c'est génial. Ça réchauffe? Oh oui, énormément. Ouf, mais ouf. Ta première fois? Non, c'est ma deuxième. Ah, donc la première fois, ça fait un peu mal, mais la deuxième fois, ça fait moins mal. Ouais. Ouais. La boule la gaieté. Allez, l'on dit ça pour les élections présidentielles que. Nous c'est des bonbons. Nous qu'a fait avancer mon nom. Et promis, après on arrête, enfin jusqu'à l'année prochaine. Voilà pour ce carnaval de Bordeaux, vous l'avez vu, visiblement assez mouvementé. Avant de se quitter, on fait le point sur le programme du don du sang. Vous pouvez donc faire vos dons demain à l'hôpital Pierre Zobdakiman évidemment, mais également au Vauclin, où sera placé le camion de l'EFS de 8h à 13h, et donc de 9h à 16h à la maison du don de l'hôpital Pierre Zobdakiman. Voilà pour l'essentiel de l'information. Restez avec nous à suivre l'actualité sportive présentée par Carré Chassol dans Sport Weekend. A tout de suite.